revenir. Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. On allait manger des petites bines, des fèves au lard. C'est loin déjà tout ça. Résister, c'est la grande affaire. Résister à l'insignifiance ambiante, c'est déjà quelque chose. Mais pour ne pas tomber dans le cynisme qui est la maladie des gens intelligents, il faut savoir résister à l'argent et au découragement. Extrait du livre « Il y a trop d'images. Un livre de M. Bernard Aymon chez Lux Éditeur. Entre 1993 et 2010, M. Aymon nous a proposé un recueil de ses réflexions des plus intéressantes. Hier, j'avais le Always Passablement Never. Et là, c'est pas pour entamer Love me never, love me through. Oh man, non, c'est pas du tout ça. Mais je me sentais là, comme avec un always au bord du never. Puis là, les gens me disent mine. Je comprends absolument rien en anglais. Et j'essayais de décortiquer toute cette stratégie langagière anglo-saxonne. Et puis, j'ai rien compris. Comment tu peux comprendre quand tu saisis pas, quand t'as pas le... Comment ça s'appelle ça, Georgette, là? Le démodulateur. Non, le traducteur. Il y a donc quand on n'a pas le traducteur. Oh, mon Dieu, faut aller voir la traductrice. Nathalie. Mais aujourd'hui, c'est plus le genre humain qui traduit, c'est des machines. Lorsque les machines ne saisissent pas, ils disent n'importe quoi. Bref, ils ont pris ça sur l'être humain. Ça, c'est, hey, t'as-tu déjà entendu, hein, comment t'appelles ça, là, pour t'aider dans ton chemin? Un maître. Mais non, c'est une machine. Une maîtresse. Non, pourquoi tu dis une maîtresse? Ben, une machine, c'est féminin, donc un maître, une maîtresse. Non. Un J21. Un Gmail, pas un Gmail, un Gmail. Voyons dans, c'est Simone. De Beauloir. Si je cherche dans mon dictionnaire, moi, je dirais c'est un GPS. Aviez-vous ça, vous, dans votre temps? Ah, nous autres, les GPS. On les a inventés. Ben, voyons donc, en 1920. En 1920, le GPS, c'était quoi? C'était la boussole. Oh, c'est vrai, ça. La boussole et puis la... Comment tu l'appelles? Donc, celle qui est au sommet, à la cime, au zénith. Moi, je dis la girouette, oui, pour me faire réfléchir à ce mot girouette. Il y a une chanson qui s'appelle « Ma petite girouette, ma petite girouette ». Belle chanson. Moi, j'aime bien ça faire de la radio. Je me souviens plus des noms, je me souviens plus où je suis, où suis-je, y'ai-je des personnes, je suis-je le seul, quand ai-je, qu'asperge, qu'occourge, délivrez-nous de tout mal, donnez-moi du cervelège dans mon matière grise. Je suis comme un Anglais d'Ontario, mais j'ai aucune connaissance, je reviens à zéro. Énumérons ensemble quelques fruits pour s'amuser comme ça. Là, il y a la banane, il y a la poire, il y a la pêche, le raisin, on n'aura pas de nom, là, des raisins, on en connaît, des raisins, des fruits, des raisins. Y en a-tu des raisins dans notre société contemporaine, mesdames et messieurs? On est entouré de raisins, mais pas juteux, là. Pas des bons fruits qui nous amènent une certaine effervescence au niveau de l'abajoue, parce que tellement qu'elle est remplie de ce nectar qui nous fait aimer ce fruit. Ah non, c'est des raisins secs. Ah, mon siècle, tellement sec. Tu les écoutes, les politiciens sont secs, là. Pas de bruit, pas d'intelligence là-dedans, c'est sec. Puis heureusement que tu as de la salive pour amener un peu de jus, parce que il me semble que c'est dur à mâcher, là. Nous vous promettons, hein, Mando. Donnerais-tu encore une autre raisin? On dirait que si j'ai la bouche pleine de raisins, j'entendrais pas ce raisin-là me dire « Je vous promets, arrêtez de nous promettre, puis donnez-le! »
Saint-Amand. Oh, il y a la poire, la pêche, le raisin et le hasard dans les fruits. Mais voyons donc, toi, le hasard, c'est pas un fruit. Sinon, ça rentre dans quel... C'est un fruit rouge, un fruit vert, un fruit jaune, un fruit défendu. Mais non, le hasard, c'est le fruit. C'est le fruit du hasard. Oh, mon Dieu, Seigneur, c'est dur à digérer, moi, le fruit du hasard. J'ai demandé à mon gynécologue. Ah oui, le gynécologue est au courant de ça. Ben, tous les gynécologues sont au courant de la gynécologie. Ah, ça, c'est vrai, là, mais en quoi le fruit gynéco? Ben, gynéco, on lui a demandé les fruits. Il connaît ça, lui, Adam Pétève. Ah oui, avant, oui, le grand Adam Pétève. Ben, non, c'est Adam et Pétève. C'est pas les deux ensemble. Quoi, qu'ils se sont unis pour ne faire qu'un seul, hein, c'est tout le préjugé de dire, ah, un corps, deux corps, qui s'assemble, fait un corps, quelle connerie, hein, on est élevé dans la connerie pendant toute notre vie jusqu'à la fin de nos jours. À la fin de nos jours, là, on nous dit, tu vois un tunnel. Mais pas pour le moment, là. Ben là, t'es pas encore prêt. T'es pas encore prêt à mourir. Ben là, écoute, on dirait que j'ai plus de souffle, là. On dirait, là, que j'ai la lèvre du haut palote, là. Puis on dirait que j'ai des tremblements, puis on dirait que j'ai froid. Ben oui, mais vois-tu le tunnel? Ben non, je vois pas de tunnel. Ben si tu vois pas de tunnel, t'es pas en train de mourir. C'est soit que tu vois un tunnel ou tu vois une main qui vient te chercher. Ben t'es-tu malade, toi, là? C'est toi qui vas mourir. T'es ensanglanté par des imaginaires que l'on t'a fait rentrer à coup de télévisuel et à coup de cinématographie. T'es une éponge, ma belle Georgette. Ah, ben merci. Hein, moi, je pensais, mais ça me faisait de la peine de le voir partir de même. Mais là, on sent que tu reprends de la poêle d'abeille. T'as du poêle d'abeille, toi, là. Ah, ben merci. Tu crois aussi? Ben, je crois. Tu vois-tu le tunnel? Ben non, pas de tunnel. Tu meurs pas. Pas de tunnel, pas de mort. CKRL, cultive tes goûts.